pourquoi acheter Actes en Main? Allez, dans cette vidéo, je vous propose de voir deux bonnes raisons de faire un achat Actes en Main. Bonjour, je suis Jérôme Yvon, votre coach immobilier, et si vous cherchez à investir dans l'immobilier en partant de zéro ou pas, bienvenue sur cette chaîne. Il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification pour être certain de ne rien louper. Alors, pourquoi acheter Actes en Main? Alors, tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse pour réexpliquer si vous ne savez pas ce que c'est que l'achat Actes en Main. En fait, l'achat Actes en Main, c'est un acte dans lequel il est notifié que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire. Alors là, c'est pas encore un petit truc, on va vous faire croire que vous payez pas les frais de notaire. En fait, le principe, c'est que si vous achetez un bien pour faire des comptes à 100 000 euros, eh bien, plutôt que d'acheter votre bien 100 000 euros et dessus de payer, on va dire, à peu près 8 000 euros de frais de notaire à côté, eh bien, on va dire dans l'acte que c'est le vendeur qui paye les frais de notaire, mais à ce moment-là, vous achetez le bien 108 000 euros et c'est le vendeur, lui, une fois qu'il aura touché ses 108 000 euros, qui va payer les frais de notaire sur le montant du bien qui a été vendu. Donc, il y a deux avantages à ça pour vous. Premier avantage, ça va être au niveau du financement. Vous savez qu'il y a certaines banques qui sont un petit peu réticentes à financer les frais de notaire. Donc, si c'est le vendeur qui paye les frais de notaire, bah vous, en tant qu'acheteur, vous les payez pas, les frais de notaire. C'est pas comme des frais d'agence où c'est noté dedans qu'il y a tant de frais d'agence. C'est que là, c'est vraiment un montant immobilier que vous payez, les 108 000 euros, c'est marqué que vous achetez un bien immobilier d'une valeur de 108 000 euros et que les frais de notaire seront à la charge du vendeur. Donc, c'est pas un montant qui est intégré dans le montant du financement, ça passe vraiment dans un montant foncier, c'est le montant du prix immobilier qui est noté noir sur blanc et dessus, c'est commercialement le vendeur qui vous fait ce petit cadeau et qui va payer les frais de notaire. Donc, la première raison, c'est surtout que ça va vous faciliter le financement si vous avez un banquier qui est un petit peu réticent au fait de financer les frais de notaire. L'achat Actes en Main, eh ben, il est inclus dedans et le notaire ne peut pas dire, on ne finance pas les frais de notaire puisque, vraiment, au niveau de l'acte, vous ne les payez pas. Ces frais de notaire, c'est pas vous qui les payez. L'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir déduire le montant des frais de notaire de vos revenus fonciers, vous allez pouvoir les amortir. Alors, je m'explique, c'est que quand vous faites l'achat Actes en Main, il est vraiment noté que vous achetez un bien, pour reprendre mon exemple, vous achetez un bien à 108 000 euros et que les frais de notaire sont à la charge du vendeur. Donc, si vous achetez le bien à 108 000 euros, c'est vraiment la valeur du foncier qui est à 108 000 euros. Et quand vous mettez des meubles dans votre appartement, si vous faites de la location meublée, vous allez pouvoir amortir le montant du bien et l'amortissement se fait sur la valeur de 108 000 euros. Alors que si vous achetez votre bien 100 000 euros et que dessus vous rajoutez 8 000 euros de frais de notaire, les 8 000 euros de frais de notaire, c'est simplement des frais que vous allez pouvoir déduire, mais c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir amortir sur une longue période. Donc là, c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir amortir indirectement le montant des frais de notaire puisqu'ils ont été inclus dans le montant du foncier que vous avez acheté. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous faites de l'investissement, à demander à vos vendeurs s'ils sont OK pour faire de l'achat Actes en Main. Je sais que moi, personnellement, c'est quelque chose que je fais. Et même quand je vends, je propose à mes acheteurs d'acheter Actes en Main. Ça leur facilite le financement. Donc moi, ça me facilite la vente derrière. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour tout le monde. Voilà pour cette petite astuce vidéo. Maintenant, si vous voulez en savoir plus, n'oubliez pas que vous avez ici ma formation gratuite que je vous offre. Et n'oubliez pas de cliquer là en dessous pour vous abonner et être au courant des prochaines vidéos. Allez, nous, on se retrouve très vite en vidéo. Ciao.